On est mercredi 31 octobre. Il est 10h38, c'est ma voiture qui le dit. Je suis sortie, j'ai un petit colis à poster, donc je suis devant la poste. Et ensuite, je vais remettre mon colis Vinted avant de commencer ce qu'on a à faire, le petit programme d'aujourd'hui. Midi, c'est opération frigo propre. J'ai juste fait cuire des knacks et puis on termine ce qui restait. Il restait un peu de pâte, je voulais pas les jeter. Il y a un fond de purée et de légumes. Il y a trop d'aubergines pour que ça plaise aux enfants. Ils aiment tous les légumes, mais pas l'aubergine. Et Martin, il y avait un reste de patate avec une claque. Bon, il a déjà mangé quelques petits morceaux de patate. Il est 14h50. On a mangé tard. On a fait une vidéo recette à l'air fryer avec les chéris. Du coup, opération réussie. Ça les a occupés. Ils étaient super contents. J'ai fait deux recettes avec Martin. Il s'est investi. C'était chouette. Martin a goûté du coup le fondant au chocolat, c'était assuré. Et puis moi j'ai goûté le crumble aux fruits rouges, franchement c'est une tuerie. Donc je sais pas quand je ferai la vidéo, mais vous la verrez très bientôt. Et ça prend rien à faire, c'est rapide, c'est pas cher et c'est super bon. Donc voilà, ils étaient contents, mais c'est quand même un peu de travail. Après il a fallu tout ranger. Là le bruit... C'est Martin qui fait des créations avec ce qu'il trouve dans le sac à recyclage. Voilà, je vous mettrai une photo, quoi. Il colonise soit tout le palier, soit tout le salon. Enfin, c'est un truc de dingue pour sa créativité. Voilà. Bon, pour cet après-midi, il me reste à faire une lessive. Je rêve de tester les détachants. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Et puis, on a la citrouille à creuser. On va se déguiser. On ramasse un copain à Élise et Martin pour aller chercher des bonbons. Et puis j'ai encore passé un coup de fil à un camarade de Martin. Donc j'attends que la maman me réponde. Et ouais, je m'y prends toujours super tard, c'est nul. Mais bon, c'est pas grave parce que le copain qui est le copain d'Élise est aussi le copain de Martin. Donc au pire des cas, voilà, ils seront trois, c'est pas gênant. Je vais me secouer parce que la lessive, il faut la faire. Et puis je vais vite préparer le repas et mettre la table pour ce soir parce qu'on va rentrer tard. Et j'aurais pas envie de faire à manger là. Et puis j'ai pas envie que Johan, après sa journée, fasse à manger. Donc en même temps, c'est rapide, on n'aura plus qu'à réchauffer. Ce sera bien, bien comme ça. Je vous montre juste, ça c'est le crumble aux fruits rouges. Franchement, on adore. Comme ça, hop, il n'en reste plus que deux. Et puis là, ce sont des petits nems aux pommes. Ils sont pas ultra ultra esthétiques, mais c'est Martin qui les a fait entièrement avec ses petites mains, et ça c'est cool. Allez, je vous montre. Lisette m'a redescendu sans suite. Alors ça, ce sont des taches de sang. Alors, dans ma mémoire, c'était largement pire que ça. Je viens de le regarder sous tous les angles, j'ai rien trouvé d'autre. Bon, ça va. Ou alors ce sont des taches magiques. Ça a fini par partir tout seul dans l'armoire. Donc, je vais remettre du produit dessus. Oups, il n'y a rien d'écrit, mais il faut soulever. Et à l'arrière, ils disent qu'en fait, il faut mettre du produit sur la tâche, laisser imprégner pendant un quart d'heure et puis passer à la machine. Et puis, je vais tester l'autre sur les tâches de peinture. Donc, j'imbibe tout, je mets ça dans un quart d'heure. Et puis, en gros, dans une heure et demie, je vous dis si ça va mieux. L'heure de faire la citrouille, parce que si on ne la fait pas maintenant, aujourd'hui, c'est foutu, ce sera trop tard. Donc c'est parti, je décapite le chapeau et puis les enfants vont se relayer pour la vider, ils vont essayer. Si j'avais été moins gourde, j'aurais demandé à Johan de lui enlever le chapeau parce que franchement j'en ai bien bavé, je suis partie de travers d'ailleurs. On va peut-être prendre un plateau pour mettre tous les déchets dedans. Ah non, la bête est vidée, voici le dessin qu'ils ont fait, ils m'ont pas simplifié la tâche. Hein. On va essayer. C'est parti. Il n'y a plus que Martin à se chausser. Moi aussi. La citrouille est finie. Le linge, la tache de sang semble être partie. La peinture, pas du tout. On a mis la table pour Halloween, pour tout à l'heure. Et là, il y a une soupe. C'est potimarron, lentilles, oignons, curry. Et puis voilà, on rajoutera soit de la crème, soit du lait de coco. Oui, ça clignote. Allez, go! Coucou, on est samedi, je vous reprends pour clôturer ma vidéo. La chasse aux bonbons s'est super bien passée, donc on est allé chercher le copain. Et puis on s'est rendu à Chaumont, qui est une ville tout à fait super sympathique.
En fait, le code est clair et ça, c'est bien parce qu'on n'a pas envie de sonner partout ou les gens n'ont pas envie. Si la lumière du jardin extérieur est allumée, on sait qu'on est les bienvenus et qu'on peut sonner. Les gens ont décoré leur maison, ils étaient eux-mêmes déguisés. Ils ont été ultra généreux, mais franchement, les seaux des enfants étaient pleins. Il n'y avait que des marques, des petits sachets individuels. Et franchement, c'était très, très généreux parce que c'était cher. Ils en avaient, mais à foison, vraiment, c'était super sympa. Il a fallu juste aussi réexpliquer les règles un peu à Martin, qui était très enthousiaste. Et voilà, en disant, on toque une fois et on laisse autant aux gens le temps de venir. Mais voilà, franchement, on a passé une très bonne soirée. En plus, ça nous a fait marcher. Il faisait pas chaud, ça, c'est... Mais voilà, on aime vraiment beaucoup, beaucoup cette soirée là-bas. Je devais vous montrer la tâche. Donc, c'était le côté qui était franchement, hop. Alors, c'est vrai que c'était pas... Comme c'était mouillé, on voyait pas bien. Elle était toute partie. Donc, je vous conseille vraiment ce produit parce que c'est magique. Hein. J'avais mis, moi, du détachant. J'avais passé les tâches au savon de chez Lidl. Voilà, c'était... atténué, mais il en restait toujours, ça m'ennuyait quand même, ça fait pas propre. Là c'est tout tout nickel. Hop, je vous montre de l'autre côté, des fois que je me sois trompée de côté, mais il n'y a plus. Donc c'est magique. En revanche, pour la peinture, faut passer votre chemin parce que chez moi ça n'a pas marché. Pourtant il y a bien écrit peinture acrylique, mais bon, c'est pas super grave. Pour vendredi, on n'a pas eu grand chose à dire. Yoann s'est levé, il m'a dit alors ménage. Je lui ai dit alors non, jour férié. Donc nous, enfin tous, nous n'avons rien fait. T'as rien fait non plus toi? T'as fait un petit tour de ménage? Non, je crois pas. Non. Non. Donc ça a été une journée fériée pour tout le monde. C'était bien cool de traîner. Je vous ai juste filmé les repas, mais rien d'autre à dire. Nous n'avons rien fait. Et ça a fait du bien parce que vous allez voir quand on va vous raconter la journée qui suit. Voilà, quand il faut se reposer un peu des fois, vraiment saisir sa chance parce que sinon c'est encore pire. Je crois que j'ai plus rien à dire, c'était vraiment pour clôturer. Il me reste donc à vous faire plein de gros bisous. En fin de vidéo, je vous mets, on a fait un petit film. Il y a toujours des femmes qui font du théâtre devant leur maison, tout ça, tout ça. Donc elles donnent pas de friandises, mais elles font une animation qui est terrible. Elles sont complètement frappadingues et on adore aller chez elles. Donc j'ai filmé et puis voilà, il y a la citrouille, des petites choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Notre chauve-souris, nous allons lui percer le cœur afin de voir ce qui s'y trouve. Il n'a pas de billet, les enfants. Ah voilà. Alors voyez-vous, ici c'est notre chauve-souris. Nous l'avons capturée cette nuit afin qu'elle puisse nous prédire l'avenir. Elle est horrible, n'est-ce pas? Elle est vivante. Vous pouvez la toucher si vous voulez. Oui, si vous la touchez, vous attraperez la peste ou le choléra. Ça dépend les jours. Voilà. Très intéressant. Alors, voyez, avec ce clou rouillé qui date de la préhistoire, n'est-ce pas? Je vais lui transpercer le cœur. Et enfin, de ses entrailles sortira la vérité. Zat! Soir, des œufs sur le plat, des asperges vertes grillées et puis de la purée toute prête congelée de chez Leclerc.